vidéo et aujourd'hui je vais faire un petit truc de différent. On va pas trop parler de beauté aujourd'hui, mais je vais faire le TMI tag. Donc du coup ça consiste à, il y a des petites questions et je vais répondre pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. Donc voilà, je commence tout de suite. Si vous voyez que je regarde beaucoup en bas, c'est parce que j'ai mon ordi et que les questions sont dessus, donc du coup je regarde pour que ça couvre la lumière et que je regarde en bas. Bref, juste à la première question qui est qu'est-ce que tu portes? Ben je porte tout simplement une robe. Bon là on la voit pas trop. C'est une robe qui vient de chez, je sais pas, petite, bisous bisous, je crois que ça s'appelle bisous bisous, que j'ai acheté pour pas très cher et que je trouve trop mignonne. Voilà. Que je trouve trop mignonne et que voilà. Moi j'aime bien. Donc voilà. Deuxième question, as-tu déjà été amoureuse? Oui, je le suis toujours. je ne sais pas si vous savez c'est qui, mais c'est mon chéri, ça va être Dylan. Pour certains, ils savent, pour ceux qui ne savent pas. Si vous voulez le voir dans une des vidéos, mettez des petits pouces et peut-être que vous allez le voir. Peut-être. Qui sait? Donc voilà, mais mettez des pépites et des likes comme ça, c'est sûr, ils seront obligés. Donc voilà, je suis amoureuse. Depuis des ans, bientôt. As-tu déjà eu une horrible rupture? Oui, mais je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, car oui, j'ai déjà eu une horrible rupture. Quatrième question, quelle est ta taille? Je dois faire 1m60. Entre 55 et 60, je ne suis pas sûre. Ça fait longtemps que je ne me suis pas mesurée. Quel est ton poids? 6. Des tatouages, est-ce que j'ai des tatouages? Non, j'en ai pas, mais j'aimerais beaucoup en avoir parce que j'ai beaucoup d'idées de tatouages. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup en avoir. Est-ce que j'ai des piercings? Oui, j'ai les oreilles percées. J'ai le premier, deuxième trou et j'ai un piercing au cartilage. Voilà, ça veut dire. Au cartilage, sauf que j'ai été enlevée depuis parce que ça s'est infecté et du coup j'étais obligée de tout enlever. Je vais en être percée mon nombril, mais je suis pas sûre, je me tape car j'ai très très peur et je suis très peureuse. Voilà. Huitième question, OTP. Donc oui, mon couple préféré, c'est... En fait j'ai deux. Donc on va dire dans Pretty Little Liars, ça serait Arya et comment il s'appelle lui? Son professeur là. Tu sais comment il s'appelle? Bref, Aria et son professeur, je ne sais plus comment il s'appelle, son nom m'échappe. Et dans Desperate Housewives, parce que c'est ma deuxième série préférée, ce serait Mike et Suzanne, parce qu'ils sont juste trop mignons. Donc, série préférée, donc comme je disais, c'est Pretty Little Liars et Desperate Housewives, parce que Desperate Housewives, je le regarde avec ma maman, même s'il n'y en a plus, je la regarde tout ça avec ma maman et du coup, j'aime bien. Voilà. Donc voilà. Ensuite, dixième question, mon groupe préféré. Mon groupe préféré, c'est les sections d'assaut. Je crois qu'il y a un peu de secret. Hein. Voilà. C'est les sections d'assaut. Ensuite, onzième question, quelque chose qui te manque. Ce qui me manque, c'est... Je ne sais pas. En fait, c'est mes voyages. J'aimerais bien retourner en France pour y vivre. Parce que comme vous savez, j'habite à La Réunion. Donc j'aimerais vraiment aller en France. En France, en métropole pour y vivre parce que c'est vraiment... J'aime bien. Même si j'adore mon île et que voilà, mais j'aimerais bien y aller en vacances. Et voilà. Et aussi à Maurice parce que j'aime trop aller à Maurice et que c'est trop bien. J'aimerais y aller. Voilà. Ma chanson préférée. En ce moment, ma chanson préférée, c'est Fifth Harmony Work. Cette chanson-là. J'ai 16 ans et demi, bientôt 17 ans cette année, mais 16 ans et demi. Mon signe du zodiaque, c'est Sagittaire. Et oui, je suis Sagittaire. La qualité que tu cherches chez ton partenaire, donc chez mon chéri, quelqu'un de compréhensible et honnête.
Voilà, et c'est ce qu'il est. Ses grandes qualités, c'est compréhensible, honnête et aussi il est très généreux, voilà. C'est ça. Ensuite, citation préférée. Time to smile. Comme c'est écrit sur mon petit carnet, parce que j'adore ça. Quand je l'ai trouvé, j'étais juste en mode oh mon dieu, je veux ce carnet. Parce qu'il est temps. Prends le temps de sourire. Prends le temps de sourire tout le temps. Voilà, donc je passe à la 17e question. Mon acteur favori. Et mon acteur favori, c'est. Je pense. Ouais, je sais pas, il y en a trop. Mais le préféré, c'est Leonardo DiCaprio. Parce qu'il est juste trop. Ouais. Comme toutes les filles, un peu. Hein, donc, du coup, ouais. Ensuite, ma 18e question. Couleur préférée, c'est le bleu. Bleu ciel. Pas bleu foncé, mais bleu ciel. En tout cas, j'aime bien le bleu. Est-ce que j'écoute la musique fort ou doucement? Enfin, si j'ai bien compris la question, moi. Fort. Très fort. Très, très fort. Même si ce n'est vraiment pas bon pour la santé, il ne faut pas du tout écouter de la musique forte. Mais j'ai l'impression que si j'écoute pas fort, je suis pas dans la musique, j'apprécie pas la musique. Voilà. Ensuite, 20e question. Où vas-tu quand tu es triste? Dans le lit. Et dans les bras de mon chéri aussi, parce que c'est là où je me sens mieux. Mais oui, mais dans mon lit plus principalement. 21e question, combien de temps restes-tu dans la douche? En fait, ça dépend. Le matin, ça serait, on va dire, 10-15 minutes sous la douche, mais après, 10 minutes sous la douche et après, je prends 15 minutes pour en dehors. Si par exemple, le matin pour aller à l'école, mais si je me prépare pour aller à une soirée ou pour aller à un mariage ou etc., je prends une heure quoi. Non, mais je prendrais pas une heure, mais quand même, je prendrais aller, on va dire, 20 minutes sous la douche quand même. Je sais. Pas bien. 22e question, combien de temps il te faut pour te préparer le matin? Donc comme je disais, il me faut 30 minutes. Je me réveille à 5h et je finis à 5h30 le matin pour me préparer pour aller à l'école. Voilà. Ensuite, t'es-tu déjà battue physiquement? Oui, mais non. En fait, c'est oui, je me suis déjà battue. Enfin, pas battue. Je l'ai vraiment agressée, la fille, la pop. D'ailleurs, parce que, elle a dit que mon chéri, il était beau. Non, mais je suis très jalouse, il faut savoir. Et elle a dit quelque chose que je n'ai pas apprécié sur mon copain. Donc, du coup, je me suis énervée. Et oui, j'ai failli la frapper, sauf que les gens sont passés devant. Donc, je n'ai pas pu. Mais ce n'est pas la première et ce n'était pas la dernière. Je ne suis pas une bagarreuse, hein, mais voilà, je sais me défendre. Voilà. Ensuite, 24e question. Turn on. Qu'est-ce que je voudrais améliorer chez moi? Ça serait être plus motivée. Parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment pas motivée. Et qu'est-ce que j'aimerais vraiment ne pas avoir chez moi? C'est être moins. Avoir raison. Enfin, en fait, je veux toujours avoir raison parce que je suis comme ça et que voilà. Mais j'aimerais vraiment être moins comme ça et avoir plus, moins paresseuse et avoir plus de motivation. Voilà. Après, la raison pour laquelle tu as rejoint YouTube. Parce que j'ai rejoint YouTube car je voulais vraiment. En fait, je suis venue pour mes cheveux. Mais après, au début, j'étais avec ma cousine. On a dit, bon, allez, on va se faire une petite scène, bah, c'est tout. Mais c'est surtout. Pour que la communauté réunionnaise, toutes les filles et les garçons réunionnais, se mettent en valeur par rapport à YouTube, vu que ça, on a que des youtubeurs réunionnais, youtubeurs, mais il n'y a aucune youtubeuse et que je voulais faire partie des youtubeuses réunionnaises, et c'est surtout pour vous inciter à vous de vous mettre en avant. Voilà! Ensuite, est-ce que j'ai une peur? Oui, c'est les araignées. Je ne suis pas. Et les serpents. J'ai horreur des araignées et des serpents. Ah, ça me... Quand je vois une araignée qu'elle est petite comme ça ou qu'elle est grosse comme ça, je ne peux pas. C'est vraiment... C'est dû à un traumatisme. Donc, voilà. Ouais. Ensuite, 29e question. Dernière fois que tu as dit aimer quelqu'un. Que j'ai dit je t'aime à quelqu'un ce matin. Il y a 5 minutes... il y a les 1 heure que j'ai dit à mon chéri je t'aime parce que je devais rentrer chez moi. Ensuite, la signification de ton pseudo YouTube. Nelou, mon petit surnom comme Penelci Nelou.
Et beauty, beauté, parce que beauté, parce que je voulais présenter beaucoup de beauté sur ma chaîne. Voilà. Tout simplement. Dernière série que j'ai regardée, c'était Vampire Diaries, parce que pour que l'Italien se termine, il faut que j'attende la saison 8. Donc du coup, je regarde Vampire Diaries, parce que là, enfin, je suis en train de laisser charger en ce moment-là la série, pour que dès que j'ai fini, je vais aller regarder, parce que s'il y a le nouvel épisode qui est sorti, j'ai juste trop hâte. Ensuite, dernière personne à qui tu as parlé? Mon papa. Ce qui m'a déposé à la maison, donc du coup, j'ai parlé de mon papa. Ensuite, la relation entre toi et la dernière personne qui t'a envoyé un message. Ah mon chéri, bah c'est mon amoureux. Tout simplement. Nourriture préférée. J'ai chocolat. J'ai des chocolats, ma nourriture préférée. Oui, bah en tant que pâtisserie, ça serait les chocolats. Et en nourriture préférée, c'est tout ce qui est de la malbouffe en fait. C'est tout ce qui est. Tout ce qui est pas bon pour la santé, que ce soit KFC, McDo, pizza que j'ai mangé hier soir. Tout ce qui n'est pas bon pour la santé, je préfère. Ensuite, endroit que tu veux visiter. Les États-Unis, j'aimerais trop, ce serait mon rêve. Et à Hawaï aussi, j'aimerais trop aller à Hawaï, aux États-Unis. Même si je vis sur une île, j'aimerais trop aller à Hawaï quand même. Voilà, parce que c'est pas pareil et que je trouve que ça a permis de découvrir plusieurs trucs. Mais aussi, j'aimerais partir en France. France, en métropole. Dernier endroit où tu étais. J'ai été à Maurice, dernièrement. As-tu eu un coup de cœur ou coup de foudre? Oui, ça m'est arrivé, oui. Avec mon chéri, j'ai eu un petit coup de cœur. Dernière fois que tu as embrassé quelqu'un. Tout à l'heure. Ce matin. Dernière fois que tu as été insultée. C'était quand j'ai été insultée. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais vraiment plus, je crois. Ensuite, 42e question. Goût préféré pour les bonbons? C'est à la fraise. C'est trop bon, les bonbons à la fraise. De quel instrument joues-tu? Je ne joue pas d'instrument. Je ne joue aucun instrument, en fait. J'essaye la guitare de mon chéri, mais j'arrive jamais. Donc, mon bijou préféré, c'est ma bague que mon chéri m'a offert. Ensuite, dernier sport auquel tu as participé. J'ai pas fait de sport. Ah si! Vendredi, j'ai fait de la marche au lycée. Voilà, j'ai fait du sport, c'était génial. Ensuite, dernière chanson que tu as chantée. Bah. Donc voilà, Fifth Harmony, work! Du coup, et 47e question, ma phrase préférée pour draguer. Je n'ai pas de phrase préférée pour draguer, je sais pas. Je drague jamais. Je n'ai pas besoin de draguer parce que j'ai un chéri, voilà. Ensuite, est-ce que tu as déjà utilisé? Ben non, vu que j'en ai pas. Et dernière fois que tu es sortie, c'était hier soir pour aller chez mon copain. Ensuite, 50e et dernière question. Qui devrait ensuite répondre à ces questions? Tout le monde. Je tague tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde à répondre à ces questions. Terminé ce petit tag. J'espère vraiment qu'il vous a fait plaisir. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner, à tourner cette vidéo, je vois. Et à ce tag. En tout cas, dites-moi si ça vous a fait plaisir, vous, de regarder cette vidéo. Mettez des petits pouces. Abonnez-vous à ma chaîne. Commentez tout si vous avez aimé, si vous aimez bien la chanson, tout ce que vous avez à me dire. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Surtout, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux pour ne rien rater sur mes sorties des dernières vidéos. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!